Les autochtones semblent protégés par une sorte de chamane, la mère. Elle ne communique cependant qu'à travers ses prêtres. Ce sont les sans-visages, et si je veux entrer en contact avec eux, je vais devoir gagner leur confiance. Je ferai mieux d'aider les fermiers du mieux que je peux. Salut tout le monde, c'est Jolat, et bienvenue pour l'épisode 3 sur Dying Light The Following. Donc la dernière fois, si vous vous souvenez bien, petite piqûre de rappel pour l'épisode précédent. Donc la dernière fois, Bilal manquait d'électricité dans sa pompe à essence, il a fait sauter les compteurs. Il nous a envoyé donner un fusible à Ali qui était à la centrale nucléaire. Ali a fait sauter les plombs du poteau électrique. Il nous a envoyé dans une espèce de cave avec un titan infesté de zombies. On a pu rétablir le courant et nous revoici enfin à la pompe à essence. Tout simplement. Et salut Bilal. Donc chez Bilal, on n'a rien à y faire pour le moment. Au passage, je voulais vous remercier pour tous les commentaires sur cette série. Ça fait bien plaisir, merci vraiment pour tous vos retours. Vous m'avez donné en plus quelques astuces. C'est vrai qu'il y a un truc que je pense pas à faire, c'est siphonner les véhicules sur le bord de la route. Pourtant, vous avez pas arrêté de me le dire dans les commentaires, effectivement. Ouais, on peut fouiller les véhicules. Yes, fouiller sous le capot des véhicules abandonnés sous la campagne est le meilleur moyen d'obtenir des composants. Ok, d'accord. Parfait. J'ai gagné des vis. Donc déjà, merci pour toutes ces petites astuces. Ça fait bien plaisir. Maintenant, ce qu'on va faire... Et ben c'est qu'on va retourner voir Jazir, tout simplement. On est parti, let's go. Let's go, allez voir Jazir. Par contre, c'est quoi ces défis? Maintenez l'accélérateur pour lancer le défi. Bah, je maintiens l'accélérateur. C'est un défi vitesse max. Bah, on va essayer de se le faire, tiens. Ça pourrait être plutôt sympatoche. Wow. Ok, d'accord. Oh, ça gère. Tranquille. Tranquillement, tranquillement. Là, hop, petit drift. Donc, la dernière fois, le petit poteau qui est là-bas, c'est... Le petit poteau qui est là-bas, et ben c'est le poteau où est-ce qu'on avait été chercher l'espèce d'isolant. Là, ça dégage. Vous m'avez dit aussi de regarder plus la mini-carte, mais je la regarde à chaque fois la mini-carte. Par exemple, là, vous voyez qu'il y a une petite mission annexe. Il y a quelqu'un qui a besoin d'un coup de main. Mais il se démerde, mon vieux, c'est comme ça, mon vieux. Alors, c'est là du plus fort, c'est du survivant et puis c'est tout. Je la regarde la mini-carte, vous en faites pas, je vois tout ce qui se passe. C'est juste que j'y vais pas. Tout simplement, moi, j'ai une mission. Alors, ma mission, c'était refouler le courant dans la pompe à essence à Bilal. C'est chose faite. Maintenant, il faut que j'aille parler à Jazir. Hein? Pour les autres pécores qui se font attaquer par des zombies, bah... On verra ça plus tard, moi. J'ai pas le temps, moi, avec ces conneries. Allez, hop. Vas-y, tourne. Bon, bah, c'est impeccable. Alors, on est arrivé. Vas-y, garde-toi là. C'est parfait. On va aller voir notre cher ami Jazir. Hop là, ça va, c'est nickel. Où est-ce qu'il est, notre Jazir? Il doit être dans la grange, comme il est fait là, lui. Dans la grange de ce cochon là de toute façon. Hein, regarde-le. Il se tourne les pouces, hein. Ah bah il est avec son copain. Le sans-visage, tiens, salut. Oh, vous faites partie des sans-visages. Est-ce que je pourrais parler à la mère? Tu crois qu'elle parlerait à un étranger? Non. Mais t'es sur la bonne voie pour rejoindre nos rangs. Sois patient. Quel est ton nom? Kyle Crane. Tu as un long chemin à parcourir, Kyle Crane. Ne t'en écarte pas. Et puisse ceci t'aider dans ta lutte. C'est tout ce que nous avons à te dire pour le moment. C'est bon, ça. Miam, 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 miam. Une petite arbalète. Tu peux partir, maintenant. Comment ça, je peux partir? C'était juste ça? Une tranche piète. Bah bon. T'as rien à me dire, Jazir? Bah tiens, je vais prendre ça. Allez, vas-y. Jazir, qui a dessiné ça? Oh, ça n'a pas d'importance. Le gamin n'arrête pas de faire des dessins, je les jette au fur et à mesure. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il est méchant. Un truc qu'il travaille, je suppose. Sa mère avait accepté un boulot à Arran avant l'épidémie et l'avait laissé chez ses grands-parents. Elle devait lui envoyer un cadeau ou un truc comme ça. Mais bon, tu sais ce qui s'est passé, c'est pas important, t'as qu'à le balancer. Qu'est-ce qu'il est méchant, ce Jazir? Non, 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 je le prends. Monsieur le facteur a mon colis. Tu peux apporter mon colis? Mais bien sûr. Alors le gosse attend un cadeau depuis tout ce temps. Punaise. C'est triste, hein? Bah oui, c'est triste. Mais bon, la vie, c'est pas une partie de plaisir. Bon, on va aller y apporter son petit cadeau à cet enfant. Qu'est-ce qu'il est sans cœur, ce Jazir. Allez, vas-y, c'est parti. J'arrive, mon petit. Allez au bureau de poste. Attends, je vais y aller en bagnole, ça ira pas plus vite. Il est derrière le pays. Allez, go au bureau de poste. Là, marche arrière. On m'appelle Jojo, le roi du créneau. Et c'est parti. Let's go. Oh, il y a du corbeau par là. Ouais. Regarde donc ce que c'est que de regarder les corbeaux. C'est un truc de fou. Regarde. Bon bah du coup on est parti pour aller jouer les facteurs. On va aller. Comment qui énorme.
taré. On va se le faire. J'ai le temps. Bah j'aurais jamais dû y aller, moi, mon vieux. Regardez-le, ce virulent, là. Bah lui, il va me dégueuler dessus. Regardez, on va se le faire. Regardez bien, regardez bien. Hop là, hop là, hop là. Hop là, tu dégages. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Allez, vas-y. Allez, monte, Crane, c'est parti. Bon, cette fois-ci, on s'arrête pas, là. Non, non, ok. J'ai bien compris le délire. Il m'a dégueulé dessus, l'autre. Alors, toi, mon vieux. Tiens, mange ça. Quel cochon, celui-là. Les véhicules. Bon, on s'arrêtera plus tard pour fouiller tout ça. Hop là, dégage, toi. Attends. Ça, qu'est-ce qu'on fait? On prend un petit raccourci. Allez, vas-y, on se prend un petit raccourci, de toute façon. Ça passe à l'aise, j'ai envie de dire. Hop là, regardez ça. Hein? Alors, ils sont pas beaux, mes raccourcis? Je pense qu'on est en train de monter dans les montagnes, là. Une petite pente qui arrive. Attendez. C'est là-bas. C'est là. On va s'arrêter par là. Oui, bon, on ira plus tard à son machin bleu, là, dans le radar. Vous inquiétez pas, je le vois, la mini-carte. Hein. J'ai constamment l'œil dessus. Constamment. Je le vois bien, l'autre qui a besoin d'aide. Eh ben, on ira plus tard, mon vieux. Il y a un gamin qui attend son cadeau depuis longtemps, là. Lui aussi, il a besoin d'aide. Alors, tiens, voilà. Prends ça, c'est... Tiens. Bah, je l'ai désintégré, mon vieux. Il a disparu, le bordel. Ça, par contre, on doit avoir des trucs intéressants, des fois, là-dedans. Ouais, effectivement, oui. Bon, donc, le bordel, ça se passe en bas. On va descendre bien gentiment. Ouh, il y a du joli monde par là. On va dégager de là. Hop. Ça se passe en bas. On va descendre par là. Hop là. Impeccable. Attends, c'est en bas. Maintenant ça. Super. Ah bah voilà, tiens. C'est là. On est arrivé. Bonjour, bonjour. C'est le facteur. Un petit couchetage. Bah mon vieux, j'ai pas cru que j'allais jamais y arriver. J'ai bousillé au moins je sais pas combien de crochets, mon vieux. Allez, vas-y. Où ça? Ça, ça m'intéresse pas. Du café, par contre. J'ai bien mieux sur moi. Ça, par contre, je prends ça. Alors, la poste. La poste, la poste. C'est là, la poste? C'est là, la poste, hein. Alors oui, vous m'avez dit que je peux me camoufler avec les zombies, mais ça, oui, effectivement, je sais. Parce que je pensais pas. Hop, tout à fait, on peut se camoufler comme ça. Par contre, ce que je cherche, c'est la poste. Allez, au bureau de poste. J'ai un peu envie de te dire que je suis au bureau de poste. À moins que vous passez par le tour. On dira, c'est bien possible. Oui, tiens, regarde. Bah c'est reparti pour vous y avez encore 50 crochets. Non, hop, tranquille tu là. Peut-être pas allumer ma lampe torche. Oh, qu'est-ce qu'il y a, j'ai du temps. Éteignez l'alarme. Ah ouais. Et elle est où cette alarme? Putain, elle est où l'alarme? Merde. Oh elle est là. A mon avis, ça aurait ramené je sais pas combien de zombies si je l'avais laissé. Oh, par contre, on va fouiller là-dedans. Il y a l'air d'y avoir pas mal de trucs. On va bien fouiller tout ça. Tiens, on va aller voir à l'étage un petit peu. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est fermé. Ouh, ça doit être par là, à mon avis, si je cherche comme ça. Non. Il y a des bruits chelous. Ce délire, on va passer par là. Fermé à clé, super. Merde. Bah comment que je suis alors? Bah mignon mais... Crochetage intermédiaire. Allez hop. Impeccable. Vas-y où? Non. Ferme. Ferme à clé. Donc j'imagine qu'il doit y avoir une clé dans le coin, forcément. Peut-être à l'étage. Allez savoir. On va aller voir. Oh!
le délire. C'est taré. Oh, bah les voilà les clés. Impeccable. Une lettre. Je sais pas pour vous qui que vous soyez, mais moi j'en ai plus qu'assez, ouais. Prenez tout ce que vous voudrez ici, c'est pas comme si on allait livrer, pas vrai. J'ai laissé les clés du bureau. Et bah c'est impeccable ça, j'en demandais pas plus, tu vois. Voilà. Un message. 2 fourgons postaux, 4 ordinateurs, bien équipés, 4 photocopieuses. Ah bah ça c'est impeccable ça. Ça c'est une bonne nouvelle, voyez-vous. En raison de nombreux retards, et bah mon vieux, bah ils sont tout le temps en retard dans ces jeux-là de toute façon. Moi tu me diras, c'est la poste. Ça. Ça change pas. Bon. Ça je prends. Du coup on va aller en bas. Hein. Peut-être bien l'ouvrir maintenant la porte. Ah bah voilà. Alors. C'est pas beau tout ça. Chercher le colis du garçon. Très bien. C'est pas ça. Ah, le paquet du gamin n'est pas là. Merde. Ok, d'accord. Trouver des informations. Il sur était peut-être déjà en cours de livraison. C'est possible. Peut-être dans la voiture du facteur. Trouver des informations sur l'emplacement du fourgon postal. Bah, je crois que je les ai déjà, les informations. Je l'ai lu. C'est sur la note d'en bas, ça. On va aller voir. Mais il me semble que. On va aller voir, mais il me semble que les informations, je les ai lues quelque part, par là. Hop, 2 fourgons postaux, 2200 à chevaux. Non, ok, d'accord. Ok, c'est pas ça, du coup, c'est en bas. Ça me semble bien que j'avais vu des trucs sur des fourgons. Vous voyez ? Hein ? Des fois, je fais style, je lis pas les lettres, mais. Vous inquiétez pas, j'arrive à tout scanner en un coup d'œil, moi. T'inquiète, j'avais bien vu qu'il y avait un papier qui parlait de fourgons. Bon. Où est-ce qu'il est ? Eh ben voilà, tiens. Hop. Déjà, j'ai les clés. C'est déjà pas mal. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. 2200 à chevaux. Tiens, un indice. Ouais. Un indice. Donc, on va retourner dehors. Allez, ça. Ouvre ça. Ok, bon, bah, du coup, c'est celui-là. On va fouiller à l'arrière. Hop. Ah bah voilà, tiens. Alors, apportez la lettre à Paulette. Non, merde, j'ai refusé. Mais non, je l'accepte. Vas-y, t'inquiète, moi j'accepte tout. Oui, vas-y, donne-moi toutes tes lettres, mon vieux. Hein. Eh bah tiens, j'ai raté ma carrière de facteur. J'ai déjà travaillé en plus en tant que facteur. C'est pas des conneries, c'est vrai. Bon. Ça, hop. Bah 15 balles. Dans les glaces, c'est bon ça. Bon, on va aller l'aider, lui, là-bas, là, avec ce machin bleu sur la minimap, là. T'inquiète pas, j'arrive. Ça. Où est-ce qu'il est, encore, ce cochon-là? Hein? Où est-ce qu'il est parti se fourrer? Regardez-le. Mais j'arrive. Allez, vas-y, descends de là, maintenant, c'est bon. Allez. Y'a plus personne, là, vas-y, descends. Alors, tu vas peut-être bien me dire merci quand même. On m'avait bien dit d'éviter cet endroit, mais j'avais pas le choix. Ah bah ouais. Sans toi, j'ose même pas y penser. Tiens, prends ça mon ami. Ouais, merci. Je sais que c'est pas grand chose, vu ce que t'as fait pour moi, mais bon. Oui, bah tu me raconteras très bien un autre jour. Allez, vas-y, je suis parti. Bon, regardez ça, qu'est-ce que tu veux. Bon, on se casse de là. Allez, c'est parti. Hop. On dira, je vais fouiller le camion. On verra ça une autre fois. Hop. Tiens, on va passer par là. Ça va être bien cool. Là. Où est-ce qu'on s'en va là? Chercher le colis hors du bureau de poste. Ah oui, effectivement. C'est vrai. Mais par contre, mon buggy. Ah, c'est pas de ça, mais. Moi, je récupère quand même mon buggy, voyez-vous. Allez, c'est parti. Go! Donc il va être où son colis à lui? Alors, toi, j'espère que ça t'aurait fait les pattes. On va partir par ici. Allez là! On va couper un peu. Voilà, tout ça, ça dégage. On va passer par ici. Wow! Ça va, hein? Ça gère un buggy quand même, hein? Ah, bah voilà, tiens. C'est là-haut. Ok, très bien. Allez,
Tiens, dégage, mon vieux, j'ai pas le temps, là. Dégagez. Hop. Tu dégages aussi. Toi, c'est pareil. Alors, qui doute? Qui doute? Toi? Viens. Alors. Encore? Donne-moi ça. Et par contre, waouh. Bon. On va aller fouiller dans le camion. Dégage-toi. Voilà. Ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, bah il est peut-être bien là, le colis. Et bah voilà. Alors, c'est bon? Applicable? Apportez le colis à Jazir. Allez, c'est parti. Jazir, Jazir, Jazir. Hop là, on fait le grand saut. Hop, applicable. Dans les poubelles. C'est parti. Allez, Jazir, let's go. Là, on va passer un peu par là. Ça, ça dégage. Dérape un peu, on bégaye par moment. Il est bien virulent. Allez, c'est parti, on est arrivé. Hop. Alors, Jazir, c'est quoi ces petits points blancs? Ah bah c'est des missions, tout simplement. C'est des petites missions à ramasser. Oh oui, bon, on viendra plus tard. Je vais aller voir Jazir. Allez, Jazir, 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 Jazir. Est-ce qu'il est mon ami Jazir? Tiens. Jazir, j'ai le paquet pour le gamin. Tu peux le lui apporter? T'as risqué ta vie pour un gamin? Bah ouais, moi. Je sais pas quoi dire. Merci. Merci. Ok, ça marche. J'ai encore gagné un petit niveau de confiance, donc ça c'est plutôt bien cool. Apporter la lettre à LM. Et bah c'est parti. Vas-y, let's go. T'inquiète. C'est parti. Bon bah je crois bien que dans cet épisode on va faire uniquement le facteur. En tout cas on est bien parti pour. Quoi que tu me diras, ça me ferait kiffer moi de livrer le courrier en buggy. Oh bah non, bah attends. Oh bah c'est que c'est juste à côté, merde. J'ai pas vu. Ah bah ouais, ok, d'accord, c'est juste là. Oh, tiens, t'as du courrier mon grand. LM, c'est vous? Tenez, j'ai trouvé quelque chose pour vous à la poste. C'est vrai? C'est génial! Qu'est-ce que... C'est ma facture d'électricité, tu te fous de moi? Hey, j'y suis pour rien, j'ouvre pas le courrier avant de livrer. Okay, je savais pas ce que c'était. Ah, de toute façon, c'est pas comme si j'allais la payer. Bah ouais, tu m'étonnes. Bon, bah au moins je t'ai ramené le courrier, c'est plutôt pas mal. Bon, elle veut sa lettre aussi, Sarah. Tiens, pardon, Sarah, c'est ça? J'ai trouvé quelque chose pour vous au bureau de poste. Sans blague? Enfin, c'est sympa, hein? Mais pourquoi vous vous êtes donné tout ce mal? Je me suis dit que c'était peut-être important. Eh bien, pendant quelques secondes, j'ai eu l'impression que tout était redevenu normal. Que tout ça n'était qu'un cauchemar. Merci. Merci beaucoup. Ah, de rien, à un de ces jours. Tu feras attention, tes oignons, là, ou tes tomates, je sais pas trop c'est quoi, mais... elles sont un petit peu bizarres. Ok, apportez la lettre à Paulat. Eh ben, mon Dieu, ben on va faire ça, apporter du courrier. Bon, on va y aller en buggy cette fois. Hop, attendez, on va y aller en buggy, on va y aller en buggy. Fouille, on va faire le plein. Voilà. Alors, j'ai plus de carburant déjà. Allez, hop, c'est bon, c'est parti. Elle est où pour la... Ah bah ok, d'accord, mais putain, mais tout est à côté moi. A chaque fois je prends le buggy, je fais 2 mètres avec. Super. Ah bah je savais pas moi que c'était à côté. J'allais te dire. Bon, Paulat, j'ai du courrier pour toi. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'il est? Tiens. Paulat, j'ai trouvé une lettre pour toi au bureau de poste. Ah bon? Merci. Je me demande bien de quoi il s'agit. Oui, sûrement t'as pas ça me gêne de demander ça, mais... je sais pas lire, c'est ma femme qui lisait pour moi. Mais maintenant qu'elle est plus là... tu veux bien? Ah, allez, vas-y. Bien sûr, pas de soucis. T'es sûr que tu veux que je te lise ça? Ça a l'air d'être personnel. Oui, vas-y. Bon, alors... okay. Oh là, t'es espèce de saligo. T'as pas intérêt de crever, hein, crois-moi. Si jamais j'apprends que tu t'es fait bouffer par un zombie, tu vas entendre parler du pays, je peux te le dire. Bise, Talo. Ah, il me manque cet enfoiré. Hein? Talo, c'est mon frère. Ça fait des mois que je l'ai pas vu. Je me demande s'il est toujours en vie. Merci de m'avoir apporté cette lettre, c'est génial. Ok, de rien, Paulat.
Bon, bah impeccable, je crois bien que j'ai livré les lettres à tout le monde, hein. Wouh, c'est bon. Plus personne veut sa lettre. Aidez les autochtones pour que les sans-visages vous remarquent. Ouais, bah du coup, on en arrive au même point, quoi. J'ai livré le courrier à tout le monde. Et bah c'est impeccable. Donc eh bien on va s'arrêter ici pour l'épisode 3 de Dying Light. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dans cet épisode on a livré plein de courriers. C'était plutôt sympa. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et ciao tout le monde. Bye.